L'inclinaison du lit, c'est l'inverse de ce qu'on dit habituellement pour les jambes lourdes. Pour les jambes lourdes. Les jambes lourdes. Ouais. Ah, alors, les jambes lourdes. Dans l'autre sens. Ah, là, les jambes lourdes, on enlève les cales et on les met dans le côté. C'est bon. Donc, si tu as des remontées gastriques plus des jambes lourdes, t'es mal. C'est ça. Ah, là, tu te mets. Allongé. Alors, ce qu'on va vouloir, c'est avoir les pieds surélevés dans cette position-là. Et ce qu'on va essayer de garder, notamment, donc là, il faudra un oreiller un petit peu plus épais, ouais. Essayer de garder une flexion de genoux pour ne pas avoir les genoux tendus et pour ne pas venir mettre trop de tension derrière pour garder une bonne circulation. D'accord. Ça peut être pour des gens qui ont des crampes aussi la nuit. Hein. Exactement, ouais. Pareil. Très bien, formidable. Puis alors, avec l'hiver, moi, je suis hyper souvent enrhumée, et donc ça peut m'arriver d'avoir beaucoup de mal à respirer, la bouche sèche. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on reprend la même position que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les remontées acides. Donc, un plan incliné, donc avec les cales sous la tête de lit, et ça va être préférentiellement sur le côté. Côté gauche ou côté droit, varié. Ouais. Peu importe. Ouais. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, venu nous donner tous ces conseils. Et pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter le dernier numéro de notre partenaire, le magazine Avantage, qui est actuellement dans les kiosques.